Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level One. Tout le monde, les enfants sont couchés, vous êtes sûr? Parce que ça va saigner, vous allez voir que c'est très gore. En plus, bah, c'est la période d'Halloween, donc il faut en profiter un petit peu. On va tester aujourd'hui House of the Dead. Mon accent est peut-être pas terrible, mais c'est un jeu de tir sur Dreamcast, avec des zombies dégoulinants qui sortent de partout, et on leur tire dessus, normalement avec le petit flingue que j'ai là. Mais je trouve que c'est trop cher, en fait. Le jeu avec le flingue, ça fait quand même dans les 600 balles. Donc je me suis dit, on va essayer avec la manette. Et vous allez voir que ça marche vachement bien avec la manette. On arrive à jouer assez facilement. Donc le flingue est pas indispensable, c'est sûr que c'est toujours rigolo de tirer sur la télé, mais voilà, c'est pas forcément indispensable. Ce que j'ai fait, c'est que bah, vous commencez à me connaître maintenant, je suis assez mauvais, donc pour une fois, vous allez voir que je vais jouer bien. Pourquoi? Parce que on a tranché les mains d'un vrai testeur qui était bien meilleur que moi, et bah, on va jouer avec ses mains, donc ça devrait aller. Celle-là, elle est pas très fraîche, on va pas la prendre. Celle-là, regardez, elle bouge encore un peu, donc je pense que celle-là, ça devrait aller. C'est une vraie main de testeur, donc on va voir. Allez, on relâche la pause tout de suite, on y va. On va partir avec ce petit moignon. Alors voilà, c'est lui le héros. On dirait le sosie du gars dans Ready to Rumble. Dans l'arbitre dans Ready to Rumble a exactement cette tête là. Vous verrez, j'ai l'impression que c'est le même mec. Peut-être qu'il joue dans tous les jeux Dreamcast. Peut-être qu'il est dans Sonic aussi, dans plein d'autres trucs. On verra bien. Alors là c'est l'intro. J'arrive dans une ville où il y a des zombies. Donc il va falloir que je leur tire dessus. Regardez, ça commence tout de suite. Clac, clac, clac. Donc vous voyez que ça gicle tout de suite. Ah bah oui, t'avais prévenu, hein. J'avais prévenu en même temps. Donc on a un petit curseur, là c'est le petit machin rouge, et puis on le déplace, automatiquement, ça se déplace, sur lui dessus. Ce que je voulais dire c'est que les mouvements, on m'a défiguré. Les mouvements de caméra sont automatiques, donc c'est pas vous qui choisissez les déplacements évidemment, tout ça est pré-calculé. Vous vous occupez simplement de tirer avec le curseur, donc il faut viser avec le curseur. Ce qui est une bonne idée, parce que ça permet d'avoir des graphismes en 3D pré-calculés qui sont quand même sympas. Il n'y a que les monstres qui sont pas pré-calculés et qui bougent en fonction de ce que vous faites, mais tous les décors sont pré-calculés. Donc au fur et à mesure, on rencontre des gens qui vous expliquent un petit peu que la ville a été envahie. Curieusement, il n'y a que des gens avec des cravates. Je ne sais pas ce que c'est cette ville. Non, il y a d'autres gens. Ah là, vous voyez, quand je vous disais qu'il ressemblait au gars de Ready to Rumble, on n'a pas le temps de le voir, mais on va le voir bientôt. Alors de temps en temps, il faut essayer de sauver des innocents, par exemple, et évidemment, lui, il ne faut pas lui tirer dessus. Il y a plusieurs chemins dans le jeu et en fonction du nombre de personnes que vous arriverez à sauver, et ben vous verrez que vous prenez des chemins différents. Donc quand vous rejouez, vous prenez pas les mêmes chemins. Oula, par exemple là j'ai un peu tiré sur ce gars. Et ça va gars? Mais moi non plus. Oh bah alors, tant pis pour lui, il est mort. J'ai pas réussi à le sauver, attends. On va voir s'il y a d'autres gens que je peux sauver. Oh, cette pauvre fille attaquée par un zombie. Ouais, j'ai réussi à la sauver. Donc elle me parlait, elle me dit, regardez, allez à gauche, sinon je serais allé tout droit si j'avais pas réussi à la sauver. Il y a un autre gars sauvé. Ouh là là, là là, vite, vite, vite. Un autre zombie de l'autre côté. Ouais. Donc lui, il va m'indiquer un chemin sans doute que j'aurais pas pris si j'avais pas réussi à le sauver. Regardez, il me dit, on peut aller par là. Donc super, j'y vais. Normalement, on passe à droite d'habitude quand on est mauvais. Mais là, évidemment, j'ai la main d'un testeur de jeu. Ah, lui aussi, il met des coups de pied, dis donc. Il l'a tué d'un coup de pied, c'est terrible. Donc inutile de vous dire que c'est gore, c'est pas parce que le sang est vert que ça gicle pas, au contraire, ils se sont pas privés du coup. Oh, des sales bestioles. Je vais les laisser approcher pour qu'on en voit juste une. Regardez comme c'est... Oh, c'est beurre. Donc là, je fais le malin et tout, mais quand on joue tout seul, on fume vraiment. Je vous recommande de jouer dans le noir, c'est vrai que c'est assez génial. Donc là, je suis avec la manette, ce qui est relativement pratique en fin de compte, parce que quand vous avez le flingue, le curseur se balade un peu partout en fonction des mouvements de votre main. Alors que là, la manette se remet presque automatiquement. Oh, attention au petit gars, on va sauver. Ouais, encore un de sauver. La manette se met à peu près automatiquement au milieu de l'écran. Alors que le fusil, le flingue, il faut vraiment le mettre soi-même au milieu de l'écran. Donc c'est plus facile, je trouve, de jouer avec la manette, surtout que c'est le pad analogique, plutôt que de jouer avec, avec le flingue. Mais il se démarre bien, mon testeur, là, avec sa petite main tranchée. Pour le moment, ça, on s'en sort plutôt bien. Ah, là, j'ai pas été assez rapide. Je n'aurais pas sauvé ce pauvre garçon, vous voyez. Bah alors, qu'est-ce que tu fous?
Ah là, on va se taper le boss de fin de niveau, donc ça va, t'es en forme? Oui, je suis en forme. Donc ça va être rigolo. Alors regardez bien, le monstre de fin de niveau, il y a cette espèce de bestiole là, qui dirige en fait une plus grosse bestiole. Donc l'idée, c'est pas de tirer sur la grosse bestiole, parce que regardez un peu la bête, elle a quand même une grosse armure. Il va falloir en fait tirer, on vous explique le point faible, regardez, le point faible, c'est le petit bonhomme, le petit teigneux qui l'accompagne. Donc en fait, regardez, si je tire sur lui, ça lui fait rien, alors que par contre, si j'arrive à shooter l'espèce d'agité qui s'excite derrière, ça devrait... Oh là là, ça devrait le calmer un peu. Ce qu'il y a, c'est qu'il bouge beaucoup, l'animal. Donc il faut être rapide, avoir des bons réflexes, et surtout viser à peu près correctement. Voilà, vous avez vu, j'ai tiré sur le gars du haut, et c'est le gars du bas qui morfle. Ils sont tellement copains tous les deux, ils partagent tout, c'est un charmant petit couple. Ils sont sûrement paxés maintenant qu'on peut se paxer, je pense que pour les monstres aussi ça marche. Oh là, là je vais morfler, ah ouf, je réagis juste à temps. Alors en haut évidemment c'est sa barre de points de vie, vous voyez qu'il y a encore du boulot. Je suis pas mort encore pour le moment, parce que moi mes points de vie sont en bas, c'est le petit couple qu'on aperçoit. Pour le moment tout va bien, dit-il en se mangeant un coup de hache monstrueux. Oh là là, je vais pas bien fort, il faut absolument que je réagisse. Voilà. Il est vivace, hein, le petit, vous avez vu, il n'arrête pas de bouger. C'est pas facile de shooter. Ah, tout de même. Donc voilà, là j'ai eu le gros, maintenant il va falloir que je m'occupe du petit parce qu'il revient à la charge. Et regardez, il zigzague de tous les côtés. C'est pas évident. Ouf. Oh là là, on voit plus où il est. Ah, ça y est, je suis mort, regardez. Donc heureusement, j'ai une option continue. On peut en mettre jusqu'à 9, c'est ce que j'ai fait là, pour qu'on puisse aller le plus loin possible aujourd'hui. Ça permet d'aller assez loin. Et puis je continue directement, donc il lui reste pas beaucoup de points de vie. Voilà. Yes, un méchant de moins, pas mal. Donc regardez, voilà notre héros. Vraiment, c'est le mec de Ready to Rumble. Ah voilà, ça c'est Pote. Ici c'est Pote. Donc là, après on va aller dans la ville, vous allez voir que ça ressemble à Venise, c'est beau comme tout, on peut se balader en bateau. Et chaque fois, il y a plusieurs bifurcations. Par exemple, il y a un type qui arrive en bateau qui peut vous ouvrir une porte. Si jamais vous n'arrivez pas à le sauver, évidemment, il faudra faire le tour parce qu'il n'aura pas la clé pour vous sauver parce qu'il est mort. Vous voyez l'idée? Donc quand vous rejouez, en fait, vous passez pas toujours deux fois au même endroit et ça, c'est bien sympa. Ceci dit, le jeu est quand même pas très long, c'est pour ça que je disais 600 balles avec le flingue, ça fait quand même un peu cher. Mais en tout cas, ça montre les capacités de la Dreamcast et c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors regardez, le petit niveau... De... Voilà les gens que j'ai sauvés, salut les gars! Merci, alors c'est sympa de vous être remercié à la fin de chaque niveau par les gens que vous avez sauvés en cours de route, je trouve que c'est quand même bon esprit. Qu'est-ce qui... Ah, il y a encore des décorations d'Halloween qui traînent partout, c'est terrible, c'est pas rangé à Game One, hein. Vraiment. Donc ensuite, petite séquence cinématique qui vous explique la suite du scénario. Lui, c'est le grand méchant, on finira sûrement par lui. Donc je continue. Alors une petite astuce au passage, ah là, regardez, il y a des zombies accrochés sur cette voiture, il va falloir que je sauve le gars qui est dans la voiture. Donc on va décrocher les zombies, voilà, regardez, il y en a un, ah, je l'ai raté. Oh là là. Tiens, bah c'est la première fois que je rate, dites donc. Et voilà, il est mort. D'habitude, j'arrive à shooter les zombies et il n'a pas l'accident de voiture. Donc vous voyez, plusieurs bifurcations à chaque fois. Du coup, je vais passer d'un autre côté. Il y a une pauvre fille qui est là. Est-ce que je peux faire quelque chose pour elle? Ouais, elle me dit de passer par l'intérieur. D'habitude, on passe par l'extérieur. Donc par exemple, là, je suis jamais passé par là. Je découvre avec vous. Donc c'est un grand plaisir, parce que ça fait quand même pas mal de fois que je joue. Et je découvre encore des trucs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut jouer à deux aussi. À ce moment-là, il y a deux curseurs à l'écran. Et c'est vrai que c'est assez sympa de partager le truc. Oh, lui, il a pris un coup de hache dans le dos, c'est pas bon. Mais c'est Monsieur Tronçonneuse. Le roi du bricolage. C'est lui qui a fait ça. Oh là là, attention, il y a eu un couteau, là. Vous avez vu, une hache qui est partie, j'ai réussi à tirer dessus. Alors, il y a un truc, oh là là. Il y a mes mains devant, j'ai tiré sur un innocent. Donc ça, ça va me coûter cher. Je peux tirer sur la télé? Oh, je peux regarder la télé même. Donc on voit aux infos qu'il y a un monstre qui est en train de ravager la ville. On va aller se le friter un peu plus loin. Alors, une petite astuce au passage, je vais mettre sur pause le temps de vous l'expliquer. Normalement, il faut recharger, c'est-à-dire vous appuyez sur ce bouton-là pour tirer, et en dessous, vous rechargez, d'accord? Donc normalement, au bout de 6 coups, il faut recharger, et des fois, c'est pas facile. Donc ce que je fais, j'ai une petite astuce, c'est qu'à chaque fois que je tire, j'appuie sur les deux boutons à la fois, c'est-à-dire je recharge et je tire en même temps. Donc pendant 5 coups, je recharge pas, je recharge dans le vide, mais la sixième fois, ça recharge automatiquement. Donc ça, ça permet de pas se soucier du fait de recharger, c'est plutôt pas mal. C'était la petite astuce du jour. Voilà, j'ai préféré mettre sur pause pour vous l'expliquer, parce que sinon je me serais sans doute fait flinguer. Je vais vous faire voir ce que ça donne quand il faut recharger. Il écrit reload en bas. Vous voyez, reload, et là j'ai plus de munitions tant que j'ai pas rechargé.
Donc vous voyez que ça peut être assez pénible si on n'exploite pas la petite astuce, parce que il faut quand même un bon moment à chaque fois pour... Enfin, je veux dire, les 5 balles partent quand même très très vite. Donc ça va quand même plus vite quand on recharge. Alors vous avez vu, c'est quand même super beau. Ah, encore ces bestioles-là, je les aime pas du tout. On peut tirer sur les caisses aussi de temps en temps, ça donne des petits bonus. Ah, c'est génial, je suis jamais passé là, donc vraiment là je découvre, super. Oh, un mec en cagoule, on n'est pas en Corse, on est censé être à Venise, et puis des hiboux, hop, il y a des plumes partout, c'est l'horreur. En plus ça fait carburant, heureusement je suis pas allergique. On a vraiment l'impression d'y être, je vous assure, quand vous jouez dans le noir c'est flippant. Oh, il y a un gars qu'il faut sauver, vite. Il a mis un coup de pied. Est-ce que je l'ai sauvé? Ouais! Alors donne-moi quelque chose, toi. Comme je t'ai sauvé. Qu'est-ce qu'il fait? Il le mange? Oui. Je n'ai pas compris. Bon, peut-être qu'il s'en transformait en zombie. Oui, j'arrive. Oula, attention, attention. Oh, elle est morte. Et moi aussi. Alors hop, j'utilise mon continu. Et on continue directement. Je suis sur la place de la fontaine. Regardez. Ah! Des créatures aquatiques. Ils sont vachement bien faits, les monstres. Il y a un peu toutes sortes de monstres, des zombies, des créatures ailées, un peu de tout. Et à chaque fois, ils sont glauques à souhait. Là, je ne les laisse pas trop approcher. J'ai peut-être les laisser approcher pour que vous voyez un peu les têtes qu'ils ont. Mais c'est assez phénoménal. Et puis là, on peut tirer. Ça, c'est assez génial. Oh, ne tirons pas sur cette pauvre fille. Ouf, voilà. Mademoiselle, bonjour. Oh, Alors évidemment, il faut épargner les innocents à chaque fois, ce qui n'est pas toujours facile, parce que dans le feu de l'action, on arrive à tirer un peu n'importe où. Regardez, elle me donne une petite potion de survie. Ça va me redonner quelques points de vie. Merci, mademoiselle. Sympa les filles à lunettes en général, elles vous donnent des trucs de survie. Ah, mais lâchez ma jambe, monsieur, enfin. Oh là là, regardez, allez, je les laisse approcher juste pour le fun, regardez comme ils sont beaux. J'ai sûrement le payer très cher, ce souci d'esthétique, mais bon, c'est pas grave. C'était pour vous faire voir. Donc, oh, des piranhas maintenant. Oh, l'enfer. Vous avez vu, quand on est mordu, il y a une trace de morsure qui apparaît à l'écran. Quand on se fait tronçonner, il y a une coupure qui apparaît à l'écran. Enfin, c'est assez original, la façon de... Il n'y a plus de main, plus de tête, plus de bras. Alors attention, on va essayer de sauver lui. C'est le fameux gars dont je vous parlais qui a la clé à bord de son bateau. Donc a priori, je l'ai sauvé. Ah voilà, donc il va m'emmener, il va sûrement m'emmener à un endroit. Il va ouvrir avec... Ah. Et voilà, on cause et voilà. On se fait tuer. Il m'emmènera un peu plus loin. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je monte. Donc encore une fois, c'est pas moi qui dirige. Je dirige juste le petit curseur en fait. Ah, le roi du bricolage est de retour. Bah voilà, avec moi, il fait pas long feu. Je vais baisser ma main, voilà, comme ça je verrai mieux. Alors ça, c'est mes potes. Ah, on va faire un petit tour en bateau dans Venise. Vous allez voir que c'est romantique comme tout. Où ils sont, où ils sont? Ah. Alors des fois, vous voyez, on se laisse surprendre. On sursaute même. Il y a vraiment plein de fois, moi, j'ai joué tout seul. Je sursautais dans le noir. Et vraiment, c'est super agréable. Donc évidemment, c'est très gore, donc c'est pas recommandé aux plus jeunes. En même temps, bon, c'est vraiment du fun. C'est vraiment très basique. Alors si vous voulez, encore une fois, vous pouvez utiliser le flingue, qui est aussi une bonne option. Mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Puis comme la manette est analogique, on s'en sort... Oh, la Godzilla. Exactement la séquence du ponton dans Godzilla. Alors lui, son point faible, c'est quoi? C'est son cœur, comme les garçons. Donc on va viser droit au cœur. Et on espère que ça va marcher. Voilà, pour le moment, il résiste pas trop. Il m'ouvre bêtement son cœur. C'est pas une très bonne idée de sa part. Mais tant pis. Donc c'est un jeu de tir très très basique, il en faut toujours un sur chaque console. Des trucs genre Time Crisis, Virtua Cop et tout ça sur la PlayStation, bah voilà. On va dire que la Dreamcast a son Virtua Cop et ça s'appelle Wiz of the Dead. C'était une machine d'arcade d'ailleurs, vous êtes peut-être connu en salle d'arcade. En tout cas l'adaptation est vraiment excellente. C'est vraiment très très beau, c'est très fun et très marrant à jouer. C'est peut-être un peu... la durée de vie est pas énorme parce que c'est vrai qu'on peut s'en lasser quand même assez vite. Mais c'est vraiment le genre de truc auquel on peut jouer avec des copains un samedi soir. Oh, attention, il saute. Ouh, je sens que ça va être un peu dur pour moi. C'est d'achever quand même. Vous voyez qu'il y a sa barre de points de vie en haut, il est presque mort. En tout cas, moi, c'est un des rares jeux qui me donne envie d'acheter une Dreamcast. Il y a Ready to Rumble qui me plaît bien, Power Stone qui est sympa. Et puis, House of the Dead, même si c'est un peu cher et un peu gadget. En tout cas, c'est un bon jeu, bien sympa. Oula, reviens là mon petit bonhomme. Oui, donc quand il saute à chaque fois, c'est très très dur pour moi. Bon là, je crois que je l'ai eu là. Ouais. Plouf. Allez hop, allô. Et ça flotte en plus. Donc maintenant, je pense qu'on va se payer la petite balade en bateau avec nos collègues. Ouais. Elle ressemble un peu à Harrison Ford aussi, je trouve.
Donc voilà, j'ai passé deux niveaux, level 1, deux niveaux maintenant, on va en faire de plus en plus. Encore un peu de temps, ouais, j'aime trop ce jeu, donc on va continuer un petit peu. Et voilà les gens que j'ai sauvés, salut les gars. Merci de rien, y a pas de quoi, salut, salut. Donc évidemment, plus on en sauve, mieux on s'en sort, et puis plus on découvre des chemins différents. Donc tout à l'heure, vous avez vu, je suis passé à un chemin que j'avais jamais vu. Il y a pas mal de bifurcations dans chaque niveau, donc voilà, ça vous permet d'être surpris. Si je rejoue, je repasserai pas forcément au même endroit. Donc ce qui est plutôt pas mal, puisqu'évidemment c'est toujours de la 3D précalculée, mais il y a quand même des petites variantes. Donc ça c'est bien. Et encore une fois, à deux, on rigole bien. Ah, on va faire du bateau. Ça va être la croisière s'amuse. Vous allez voir que on s'amuse bien sur cette croisière. Love, exciting and blue. Come aboard, we're expecting you. Love. Bon allez, ça suffit. Faut que je sois concentré, sinon je vais me faire flinguer. Alors quand on joue à deux, il y a un gars qui est assis là avec vous, il se ressemble, c'est un peu des jumeaux. L'autre est plus beau, je trouve, il a une plus belle mèche. Ah, ah, oh, monsieur m'a mangé le visage. Alors faut être toujours sur ses gardes, très prudent, et évidemment jamais shooter des innocents. On dirait un peu Dustin Hoffman, lui, je trouve. Alors vous avez vu, là j'ai tiré dans le bras, il a perdu un bras, donc on peut localiser les dommages. Ça aussi c'est assez bien, ça permet de viser très précisément. Ah, c'est lui le gars avec la clé, je l'ai confondu avec un autre tout à l'heure. Ouf, voilà. Alors regardez, il va m'ouvrir. Salut. Salut moustachu. Donc lui, regardez, il m'ouvre la porte. Si j'avais pas réussi à le sauver. Évidemment. Oula, j'ai un peu une hache dans la tête. Si j'avais pas réussi à le sauver, je serais passé par un chemin un peu plus long. Alors que là, je vais pouvoir passer par là. C'est un petit raccourci. Oh là là, ils sont un peu coriaces, qu'est-ce qui se passe? Ils font au coup de poing. Alors il y a un autre niveau après, c'est dans une ville. Oh, j'aime pas les créatures du lac noir là. Hop, ils sont beaucoup en plus. Fouillouillouillouille. Je suis attaqué par des zombies. C'est joli Venise. Sympa, romantique. Ah voilà. Même quand on est en train de tuer des gens, toujours emmerdé par le téléphone portable. Ça vraiment, je trouve ça super pénible. Tiens d'ailleurs, je propose de lancer l'association des non-porteurs de portables. On a commencé ici. Même Clément, notre attaché de presse, n'a pas de portable. Donc allez, lançons le front des anti-portables. Il y en a marre de voir des gens avec des portables partout, même dans les jeux maintenant. Donc on va quand même pas les laisser venir jusque-là avec leur portable. Je sais même pas ce qu'ils racontent. En plus, tout ça pour dire que la ville est envahie par des zombies. Franchement, on le savait déjà. Si c'est téléphoné pour ça, ça sert à rien. Oula, vite! Faut que je tire sur les tonneaux, vous voyez. Ah, j'ai pris un tonneau dans la tronche. Ouais, normalement, il aurait fallu que je tire sur le tonneau avant que je me le prenne sur la tronche. Oh, les piranhas. Ça, c'est un peu dur. Ah, mordu à la cheville. Enfin, je sais pas ce qu'il y a à la cheville. Oh, les petits gros, là. Oh, il y a déjà des sales plaies. Oh, j'ai mouru encore. Allez, on continue. Non, il va falloir qu'on s'arrête là quand même parce que c'est pas le tout, mais on n'a pas que ça à faire. En tout cas, moi, je vais continuer parce que vraiment, ce jeu, je le trouve très sympa et bien rigolo. Qu'est-ce qu'il y a juste après? Encore 2 minutes, peut-être 1 minute, allez, juste une petite minute. Regardez le beau costume qu'il a. Alors, on va passer dans les égouts ce coup-ci. Donc voilà, on va plonger un petit peu. Ah, des chauves-souris, vous voyez. Ah, on a peur, il y a des chauves-souris partout. Il y a des hiboux, il y a plein de bestioles différentes. Bref, c'est assez varié, c'est sympa comme tout. Et bah franchement on se marre bien. Bon c'est un peu cher vraiment, mais bah voilà, pour se faire plaisir, c'est vrai que de temps en temps il faut se faire plaisir. Ouais, j'ai sauvé un gars. Bon et ben on va s'arrêter sur cette action d'éclat les gars, c'était Level 1 sur Dreamcast avec House of the Dead 2, je crois, sur le numéro 2 déjà. Je vais aller sauver les gars de ce gars en pull au vert et puis nous on se retrouve pour un prochain Level 1. Ciao, à bientôt, salut.